Yo les amis, me revoilà, Jordi au Vitry. Aujourd'hui, petite vidéo sympa, basique, rapide en même temps, parce que je pense qu'il n'y a pas des choses qu'on va se speeder directement. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que vous êtes au courant que je devrais être à la PGW, que je devrais vous montrer ce soir un petit vlog fait spécialement, sauf que comme vous voyez actuellement, j'ai mal à la gorge et aujourd'hui j'ai décidé de pas vous présenter un vlog parce que j'ai oublié de filmer presque un peu de partie. Peut-être qu'il y aura à la fin de la vidéo, essayez de rester jusqu'à la fin. Et aujourd'hui je vous fais cette petite unboxing Paris Games Week plus vlog. Voilà, je marque juste comme ça, vous verrez directement au montre. Voilà. Bon les amis, actuellement j'ai été à la Paris Games Week comme vous êtes au courant hier et aujourd'hui. J'ai même quitté un peu plus tôt la PG. Actuellement, ouais, j'ai mal à la gorge et mon copain m'a enlevé mort. Et face au monde, je vous conseille que maintenant il y aura peut-être qu'une seule vidéo de la Paris Games Week comme tous les ans. Et j'en ferai pas deux. En pire, j'irai même pas deux jours parce que là actuellement ça devient la trouille des gens. Et ça fatigue largement. Alors en plus, pour travailler le soir, faire le montage, c'est comme dans mon cas. Hier, ce matin, j'ai eu du mal à me lever. Je vais pas expliquer pourquoi. Mais vous avez peut-être compris. Bon les amis, aujourd'hui petite unboxing Paris Games Week qui est quand même un peu sympa parce que dans cette vidéo là il y a peut-être les petites goodies qu'on peut avoir tout simple avec le sac Ubisoft. Hier actuellement j'ai été dans le stand de Game One. Le stand de Game One qui me donne toujours des goodies un peu sympa. Là j'ai un poster de South Park avec le mot Soup Prank, un poster qui est comme un peu beau et un peu écrasé, ça m'énerve un peu, mais je vais laisser l'enrouler pour le mettre assez bien grand. Et aujourd'hui, dans ce jouet set que je vous ai montré quelques instants, il y avait quoi d'autre? Un sac Game One, voilà, avec le... Vous voyez ce qu'il y a quand même, un peu sympa. Je suis pas quelqu'un de moi qui va me promener avec ces sacs et je pense que prochainement il y aura une photo sur Instagram avec tous les goodies de Game One parce qu'en te voit avec eux j'ai tout. Là j'ai eu un petit réduction avec un air code pour que ça m'en foutait largement. Allez, on a eu, j'ai eu un petit truc là pour le téléphone aussi pour garder et tout avec un fond tout et tout, on va voir. Et un peu bon, c'est un peu kiffant. Je pense que ça je vais le laisser comme ça. En fait comme tous les goodies que j'ai eu à la PGW spécialement je les garde. Là aussi on va voir dans ce tiroir là un peu ici, je sais plus lequel, il y a des goodies de l'année dernière. Voilà, il y a de tout. Là, il y a des petits bonbons. Oui, je sais, certains ils vont me dire, ouais, pourquoi tu les ouvres pas quand tu les manges pas? Parce qu'en vrai, je suis pas quelqu'un qui aime bien manger. Et j'adore les petits bruits. Enfin, en plus, il y a une tête de pension en 2021. Alors, c'est pour l'entendre. Ouais. Je pense qu'un jour, je vois que ça se permet, je vais manger. Mais pas attendre que moi, j'aime bien prendre mon temps. Déjà, dans le truc de Game One, on a eu quoi? Un gobelet, Team Game One. Avec Team Game One, Level Game One. Game One et Retro Game One. Voilà, c'est un petit gobelet avec un or, je pense que c'est pour la farine ou je sais pas combien. Moi je trouve ça quand même beau, il ira en haut dans mon étagère avec le truc Coca-Cola. Un pips, un peu choquant, je vais pas vous montrer, à part là, voilà, vous faites pause, voilà, vous avez pu voir actuellement un petit pimp Game One avec South Park et un truc stylé que je kiffe quand même. Je suis un peu content de les avoir eus. Comme tout le monde, je savais pas que Game One faisait ça. Regardez. Voilà. Tiens, ça, ce sera pour ma miniature avec les lunettes Game One. Voilà, c'est fait. Actuellement, je vais le couper au montage. Vous verrez la miniature et tout simple. Je vais marquer vlog de la Paris Games Week. Là, ça, on s'en fout, c'est des gants. Alors, après vous, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, seulement les personnes qui était à la Paris Games Week, excusez-moi, là on est en train de voir des toilettes directement avec du caca de côté. Sauf que non, c'est pas une blague les amis, on m'a pas foulé une merde et on m'a pas foulé des chiottes, vous inquiétez pas, on m'a donné du PQ, oui les amis, du PQ Game One avec des crottes. Ouais, sympa, franchement c'est un peu marrant, je trouve ça unique. Intéressant, mais je suis pas quelqu'un qui va utiliser ce temps des styles de produits comme ça Game One. Je pense que je vais le garder au souvenir. Actuellement ici il y a eu un poster de je sais pas quoi.
Actuellement, ça doit présenter... Je sais pas ce que ça présente. Ah, ça présente des... Oh, oui, il y a un des jeux, je vais vous l'afficher directement ici, je vous le joue. Et enfin, bah, on va rouler un poster avec la petite photo qui est quelque part le bâton rangé, c'est pas quelque chose. Et... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore des gants, des places de la Park Game Suite, parce que ça vous en coûte un peu. Là, on a eu quoi? Une réduction pour avoir du matériel gaming, moins 10%. Alors, ouais, 10€ de réduction sur votre prochaine commande. Avec le code MMV19, comme ça au pire vous allez pas oublier, il y aura tout en lien, et voilà. C'est la société Esport Lot, voilà, Esport Lot, moins 80%, voilà, il y a tout, hein. Au pire je fais la petite pub même s'il ne paye pas, c'est un peu dommage, je suis touché. Et là justement, après vous, sur quoi je vais finir. Alors maintenant, je vous donne pas d'indice parce que c'est comme un emballage. À vous de me dire en commentaire avant de taper de voir la vidéo, mais dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Alors je vais attendre 5 minutes. C'est bon? Ok les amis. Là vous êtes au courant que là actuellement je vous ai laissé un petit indice derrière moi, Infinity Warfare. Modern Warfare, putain j'ai un problème avec ce nom, je sais pas pourquoi. Et actuellement, qu'est-ce qu'il faut pour jouer à ce style de jeu? Eh oui les amis. Une manette Scuf Gaming édition spéciale parce que je pense que je suis un peu déçu que j'aurais préféré avoir mon youtubeur préféré, mais je le respecte assez bien aussi, je l'adore. Je pense que là je vais attendre même encore 5 secondes et dites-moi qui est, bah quel youtubeur il y a dedans. Actuellement il n'y en a pas beaucoup, alors à vous de me trouver, sauf mon ami Sofiane qui va voir cette vidéo, je te demande de pas écrire, voilà, comme ça au moins tu sais toi. Et Nimical, voilà. Je sais qu'il y a deux de mes amis et tout. À vous de me dire qu'est-ce qu'il y a. Alors attendez, je vais rester comme ça. Attendez, c'est magnifique, vous allez voir. Ah, allez, ça. Oh, attendez. Eh, je ferme les yeux, promis. Et allez, là, vous me voyez avec les yeux fermés. Parce qu'en même temps, moi, je sais ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Une petite carte de Scuf, je crois. Il nous remercie d'avoir acheté leur manette et tout. Ouais. Ça doit être après ça. Voilà. Ah, vas-y, attends. Ouais, ouais. Ah, merde. J'ai vu. Ta-la-la-la. Sky Rose. Eh oui, la manette de Sky Rose. Ouh. Eh, j'ai pas commencé à perdre les palettes. La manette de Sky Rose, les amis. Je viens de l'acheter. Ma toute première manette Scuf. À 4 palettes déjà. Je vais pas franchement me plaindre. Actuellement, on m'a expliqué que, ouais, c'est quand même. Ça va être encore mieux. Tu vas mieux jouer que ça. Là vous entendez les petits claques. Une manette qui vaut presque 250€. On m'a pris pour les pigeons. Et ça ils arrivent. Actuellement je vais essayer de changer les palettes pour... Attendez. Pour celle-là parce que je suis quelqu'un qui aime bien jouer assez bien long. Et je vous le confirme. Après mon ami m'a dit ouais pourquoi t'as pas acheté une pochette. Alors moi actuellement une pochette ça sert pas franchement à quelque chose parce que je suis quelqu'un que quand je me déplace avec la boîte. Alors actuellement la pochette Scuf qui est sympa, je vais l'utiliser lors de mes déplacements. Même si ça prend de la place, voilà, moi je suis comme ça, je suis pas quelqu'un qui achète les choses inutilement. Je pourrais m'acheter une pochette si j'en ai peut-être 2 ou 3. Mais si en cas où il y a une boîte abîmée, mais de l'autre côté la boîte elle est intacte et je vais la garder, voilà. Il y a tous les détachements à l'intérieur, il y a même un petit aimant, mais actuellement il faut que je lisse ces petites notices, voilà, de Scuf pour savoir comment que je vais démonter, voilà, bah pour remplacer par exemple les pièces que je veux pas. Et voilà. Alors bon les amis, pour moi ce sera tout cette vidéo. Je sais qu'elle est rapide actuellement. J'espère que vous n'êtes pas déçus, que j'ai pas trop filmé à la Park Game Suite, que les places vont être vendues à un de mes amis, voilà. Même si en commentaire je vois, ouais t'es un crevard, pourquoi tu n'as pas donné, c'est parce que les places coûtent assez cher. Et de l'autre côté, je suis pas payé pour, par la PG, hein, à part si demain, ouais, Game One il m'invite et il me donne des places, ok, là je m'en écoute, je les note. Mais là, actuellement la place vaut 21€, il y en a 2, vous comprenez comment ça, voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous à tous. Merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker si vous êtes toujours abonné. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez liker et vous abonner pour me faire plaisir, pour que je vienne riche et célèbre. Allez, des bisous à tous et à bientôt.